Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Amen. Amen. Que Jésus soit glorifié, soit loué. En tout cas, bienvenue dans la présence du Seigneur. Vous qui êtes présents, et pour tous ceux qui sont en ligne, nous les souhaitons bienvenue. Que Dieu les bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer la place au groupe de louanges. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les inspire afin de nous conduire dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ensemble ce matin. Nous allons contempler notre roi des rois. Parce qu'il est là. Il est là parmi nous. Et il agit puissamment. On va ouvrir les portes. On va lui demander d'entrer ce matin. Pour qu'il puisse faire le travail. Sentez-vous libre dans la présence du Seigneur. Ce matin, nous allons prendre le premier chant, Hosanna, avec Carillon, avec Noélie. Bienvenue dans la présence de Dieu. On vous invite à adorer, à louer Dieu avec nous. Sentez-vous libre, dansez, chantez, sautez, faites, soyez libre. Ok. Tous ensemble comme ça.
mais pour ce que tu accomplis en ce jour. Seigneur, tu es là, tu es ce Dieu qui est toujours là. Seigneur, tu nous abrites, tu nous couvres, tu nous protèges par ta main puissante. Chers tous, j'aimerais vous dire ce matin que notre Dieu est bon, que notre Dieu est puissant. Ce Dieu, il est toujours là malgré tout. Malgré nos soucis, nos vies, peu importe les situations que tu traverses, il est présent, il agit dans l'ombre. Amen. Même si les océans se déchaînent,
des lieux sur ta vie. Papa, oh, dis avec nous, papa, me voici en ce matin. Papa, oh, je te donne mon cœur, je te donne mon esprit, je te donne mon entendement, je te donne mon être entier parce que c'est toi, papa, qui me guide. C'est toi qui me toi. Quel est ce
chante-le. De tout. Est-ce que tu sais parler en langue ce matin? Parle en langue là où tu es. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel là. Toi tu sais pas parler en langue, continue de parler, de chanter, d'exprimer les mots qui te viennent dans ta bouche en ce matin. Est-ce que ce matin tu peux continuer à prier en ce matin? Est-ce que ce matin ton atmosphère spirituelle va changer par le degré de la puissance de la parole qui va sortir ce matin dans ta bouche? Ce matin, apporte ta louange, une louange spéciale à ton Dieu, une louange extraordinaire à ton Dieu. Est-ce que ce matin tu peux apporter une louange spéciale à ton Dieu ce matin? Kore baba riba onge kere baba 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 baba. Kore baba onge kere baba riba onge kere baba baba baba. Kore baba onge kere baba baba baba. Tu n'arrives pas à parler en langue. Prie, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia, alléluia. Parle à ton Dieu ce matin. Alors qu'on chantait Dieu, tu es grand. Alors qu'on chantait qu'il est tout puissant. Ce matin, Dieu cherche quelqu'un. Et il dit que le chant de son cœur, c'est son amour pour toi. Dieu te demande de lâcher prise dans ce que tu viens lui demander, mais que tu puisses simplement l'adorer en esprit et en vérité. Proclamer sa grandeur, sa puissance. Proclamer qui il est. Je demanderai à tous ceux qui parlent en langue ce matin qu'on puisse prendre position dans l'invisible. L'église ouvre ta bouche, adore, parle en langue, tends tes mains vers lui, ne lui demande pas, déclare qui il est. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui délivre, mais il est le héros, il est le chef de l'armée, il est celui qui combat pour toi, il est celui qui prend des victoires pour toi, il est celui qui marche avec toi, il est celui qui ne te délaisse pas, qui ne t'abandonne pas. Que tes yeux puissent s'ouvrir sur la grandeur, la puissance de Dieu. Nul ne peut tenir devant sa grandeur, nul ne peut tenir devant sa puissance. La justice que tu attends, il est justice, il est droit. J'aimerais juste que la musique joue avec beaucoup de douceur et que tu puisses vraiment, je sais pas, le Saint-Esprit me pousse à te dire,
Arrête de chercher à recevoir, mais loue-moi simplement. Je suis le tout et je suis celui qui suis. On va élever ensemble la voix et adorer un instant par nos propres mots. Chante en langue, parle en langue. Dieu dit qu'on peut lui parler en intelligence, mais aussi en esprit. Apprenons-nous à nous asseoir dans l'invisible et voir par l'esprit. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, tu es grand, que tu ce Dieu, tu dis amen fort. Est-ce qu'il est grand pour toi ce Dieu? Est-ce que tu es extraordinaire? Ce Dieu extraordinaire est grand pour toi. J'ai pas besoin de te dire d'acclamer ce Dieu. J'ai pas besoin de te dire de le réaliser en ton intérieur. J'ai pas besoin de te le dire de l'acclamer, parce que tu sais quel Dieu tu acclames. Tu sais quel Dieu vivant tu acclames en ce matin. Tu sais quel Dieu vivant en ce matin tu acclames. Que ton acclamation va au-delà de toi-même. Que ton acclamation surmonte le ciel. Que ton acclamation touche le monde céleste pour toi. Que ton acclamation ce matin monte, monte, monte. Que ton acclamation ce matin fait décoller les choses pour toi. Je vais parler brièvement ce matin encore de. Enfin, on avait commencé déjà le samedi soir. Nous parlons, n'est-ce pas, des puissances spirituelles qui constituent des barrières, des blocages, des freinages pour l'œuvre ou l'avancement de l'œuvre de Dieu dans les pays comme celui-là, dans les continents comme celui-là. Alléluia. Amen. Et nous sommes en France. Et donc, voilà, nous parlons de pays de France. Et l'objectif, c'est que nous puissions prier pour que ces esprits ou que ces puissances, n'est-ce pas, puissent lâcher prise. Amen. Vous comprenez? Et donc l'Église a besoin de comprendre un certain nombre de choses sur le fonctionnement, n'est-ce pas, de ces esprits. Depuis samedi, je parlais aussi de notre papa Jean-Claude, qui nous est très très cher, n'est-ce pas? Et tous les autres pasteurs. En France,
en France, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans la culture biblique, les personnes, voilà, les aînés sont respectés. Hein? Les aînés sont respectés et surtout ceux qui nous aident dans la vie, ceux qui nous propulsent. C'est pourquoi la jeunesse, vous devez apprendre à être obéissant à vos parents. Ce n'est pas parce qu'il y a la fraternité, il y a la liberté, tu vois, et la légalité, du coup... Égalité. Du coup, on n'a plus besoin d'être docile, de respecter ses parents, respecter les aînés au nom de la fraternité, au nom de la liberté. Ça devient libertinage et c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, voyez. Hein? Au niveau de l'église tout au moins. Et dans vos maisons, les jeunes, vous devez respecter vos parents. Quand papa dit, voilà. Et donc, il faut toujours qu'on puisse les respecter, les aînés, hein? Les respecter, les honorer, comme je disais ce matin, dans certains pays, surtout dans les pays anglophones, aux États-Unis, dans d'autres pays anglophones, vous voyez, il y a le jour des pasteurs, la journée des pasteurs, où le pasteur est honoré. Le jour-là, le pasteur ne prêche pas, il est assis, et c'est les fidèles qui... Tous les pasteurs, et c'est les fidèles qui prêchent, et puis après, ils honorent le pasteur, ils font des compliments au pasteur, et d'autres même qui font des dons au pasteur. Au pasteur, juste pour leur dire merci pour ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes en train de faire? Ce n'est pas une bonne chose, ça? Ce n'est pas bon, ça? Et donc, mais en dehors de cela, il y a quelque chose de spirituel. Lorsque vous respectez ces hommes-là, c'est très important. Ils ont impacté nos vies. Ils ont encore des choses en eux. Et je disais, lui, il ne va pas partir maintenant. Il ne va pas mourir, il va avoir 200 ans. Et donc, c'est important de les respecter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je respecte cet homme et tous les hommes de Dieu dans la maison. Vous êtes respectés. Vous êtes vraiment bons. Amen. 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 C'était l'année dernière, j'étais dans une église où je faisais 3 jours de séminaire, terminé par une veillée de prière. Et le lendemain, je dormais, j'ai eu une révélation. Parce qu'au cours de ce séminaire-là, on avait beaucoup prié, j'ai conduit le peuple dans ce que nous appelons communément le combat spirituel. On avait beaucoup prié. Et la nuit, je fais un rêve. Je voyais un grand fleuve. Et dans ce fleuve, je voyais des bêtes, enfin des animaux, avec des grandes cornes sur la tête. C'était très émouvant, papa. C'était grand. Ils étaient nombreux. Ils sortaient de fleuve avec des cornes. Ils venaient pour s'attaquer au peuple et particulièrement à l'église. Je me suis réveillé. J'ai cru qu'il s'agissait de l'église de ce pasteur-là. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, fais attention, j'ai eu une révélation, fais attention. Parce que je savais que les cornes symbolisent la dispersion et la limite. Et c'est des autels. Et donc je disais au pasteur, fais attention pour ton église, tu dois remonter le niveau de la prière dans l'église. Et parce qu'il y a des cornes qui s'élèvent, il y a des puissances spirituelles qui se lèvent juste pour empêcher l'église d'aller de l'avant ou le ministère de s'agrandir ou de grandir, excusez-moi. Et puis après, le Seigneur me dit non, c'est bon, mais ce n'est pas seul cette église-là. Mais je veux te parler de quelque chose qui se passe, des autorités spirituelles négatives qui tiennent captive ce pays, ce continent. J'ai pas dit ça au premier culte. Il y a quelques années en arrière, alors que je faisais aussi le séminaire à Clamart, dans l'église de Clamart, dans le 92, j'ai eu une révélation le lendemain. Je voyais un homme géant, un grand, il est géant, qui effrayait tout le monde. Tout le monde avait peur de lui et il faisait ce qu'il voulait faire. Et je voyais
des frères de l'église, excusez-moi vraiment, qui faisaient, vous voyez comment, comment on appelle, la mêlée là, quand ceux qui jouent au rubis là, vous voyez, ils faisaient ça pour chasser l'homme fort. Hein? Et plus ils faisaient, plus l'homme fort les oppressait. Et à un moment donné, tout le monde avait peur. Et j'avais comme impression qu'ils lâchaient. Et d'un seul coup, je me suis vu. En fait, quand tu vois un homme de Dieu dans le rêve, ce n'est pas forcément l'homme de Dieu, quoi. C'est Dieu, c'est un ange de Dieu. Donc, je me suis vu descendre d'une montagne. Et puis, je suis arrivé et je disais aux frères, mais croyez-vous que c'est avec la mêlée que vous allez vaincre cet homme-là? Et pourquoi est-ce que vous avez peur de lui? Non, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui. Il s'agit de prier, il faut prier. C'est avec la prière que vous allez pouvoir l'anéantir, le chasser. Et puis je me suis mis à prier. Et j'ai demandé à tout le monde, commençons à prier. On a commencé à prier en langue. On priait en langue. On priait en langue. Et j'ai vu cet homme fort qui s'est écroulé. Et j'ai vu comme sur une montagne. Et il descendait, il roulait par terre. Il allait dans la vallée. Et dans la vallée, tout juste au pied de la montagne, il y avait un grand fleuve. Il est tombé, il est rentré dans le fleuve. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, quoi, c'est quoi ça? Le Seigneur me disait, voilà, c'est l'homme fort de ce pays qui empêche l'Église d'aller de l'avant, qui empêche ce peuple de venir à Dieu. Vous êtes déjà à Jésus-Christ, mais il y a encore un grand peuple. Allô? Et c'est là le problème. Ou la problématique. Amen. Amen. Et donc, quand vous venez à l'église et que vous vous contentez, c'est bon, vous êtes en train de faire un bon travail. Les pasteurs, c'est bon. Mais je crois qu'on peut aller plus que ça. Il faut aussi comprendre que Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, il n'y a pas que ma famille qui a besoin de salut, mais tout le pays a besoin d'être sauvé. Et deuxième chose, l'homme fort est là et c'est lui qui tient captif le peuple. Ça va vous étonner. Vous allez voir, quelques années en arrière, pas plus que la semaine dernière, j'étais dans la rue en train de essayer de distribuer des tracts, de parler de Jésus aux gens. Oh, vous serez étonnés de voir la réaction des gens. Vous êtes fâchés? Non. Vous serez étonnés. Moi, excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, mais excusez-moi, quand même le Seigneur m'a amené dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, dans certains pays, même un païen, quand tu lui tends, voilà, une tracte parlant de Jésus-Christ, il va te dire merci quand même, il le prend quand même. Il va te dire merci. Aux États-Unis, ils vont te dire « God bless you ». Mais ici en France, quand tu dis, l'autre fois, samedi, vous m'avez vu, j'ai mis un tricot sur lequel on a écrit « Jésus t'aime ». Oui. Quand tu dis Jésus t'aime, il dit moi je ne l'aime pas. Ici, en France. Ici. Il dit, il y en a qui te disent, tu es malade ou quoi? Yeah. Et puis tout ça là, des fois ça ne vous dit absolument rien. Hein? Ce n'est pas la personne elle-même. Vous comprenez? Hein? L'heure est déjà partie. Oh. Bon. Et donc, nous voulons parler de ces hommes forts qui tiennent captifs ce continent, les pays européens, même en Afrique, partout, il y en a. Mais nous, nous sommes en train de nous démerder. Je vous dis vrai. Nous sommes en train de dire au diable, soit tu meurs ou tu quittes. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu vas dans les pays comme le Nigeria, bien, il y a du mal, il y a du mal, mais il y a aussi du bien. Vous allez voir des grandes églises au Nigeria. Hey, des grandes églises. Au Ghana, au Togo, ça a commencé aussi au Togo. Hein? Même s'il y a beaucoup d'Aram qui fait de rage, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes conscients du fait qu'il y a un homme fort. Et ceci, il y a des vieux, il y a des anciens dans la foi qui se tiennent sur la brèche en train de prier, en train de nous pousser, en train de nous exhorter, nous les jeunes, à aller, de nous faire comprendre le fait qu'il y a une présence terrible
sur le territoire ou sur le continent. Et nous avons besoin de chasser cette présence-là. Vous comprenez? Allô? Vous comprenez votre pays? Vous êtes fâchés contre moi? Yes! Alléluia! Alléluia! Et puis vous êtes fâchés? Il y a un problème. C'est qu'il y a un homme fort. Et donc, cet homme fort est là, c'est pour empêcher l'œuvre de Dieu, c'est pour empêcher la population de se tourner vers Dieu. Ils essaient de tout faire. En France, il y a tout. Tout est parfait. Tout est bon en France. Sauf Dieu. Quand tu parles de Dieu, hey, alléluia. C'est ce qui démontre par A plus B qu'il y a une puissance spirituelle qui empêche, qui tient ce peuple en captivité. Et on a besoin de les libérer. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Alléluia. Dans la Bible, dans la Bible, vous allez commencer par me mettre Zacharie chapitre 1. Dans certaines versions, nous allons parler des cornes. Ces cornes, qu'est-ce que ces cornes-là symbolisent? Je disais, on ne peut pas parler des cornes sans parler des autels. Zacharie chapitre 1, à partir de 18e verset. Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait quatre cornes. Amen. On y va. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons. On y va. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda. Vous comprenez? Le pays de Juda. Les cornes des nations, les forces des nations, les puissances des nations qui ont levé leur corne contre le pays de Juda. Juda symbolise Israël, où aujourd'hui on peut parler de christianisme ou de chrétienté. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Les cornes là, leur devoir, ils s'élèvent contre... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, forgerons pour venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé leurs cornes contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Deux choses que nous voulons souligner ici, plusieurs choses, mais deux choses principales. Il y a le mot dispersion et le mot lever la tête, que personne ne lève la tête. Vous comprenez? Hein? Et donc l'objectif ou le but ou le devoir de ces cornes, c'est vérifier à ce que tous ceux qui se rassemblent en tant que ou comme des chrétiens soient dispersés. Deuxième chose, leur objectif, c'est de vérifier que nul ne puisse lever la tête. Par exemple, prenons le pays de France. Qu'est-ce qui se passe? Leur objectif, c'est d'empêcher le peuple français à se tourner vers Dieu. À se tourner vers Dieu. Cela se démontre par plusieurs choses aujourd'hui. Une de ces choses, vous allez voir, peut-être vous ne le savez pas, nous, en tant que des pasteurs, lorsqu'on va dans des endroits, on voit, en France, il est difficile d'avoir une salle pour tenir des réunions chrétiennes. C'est difficile. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des chrétiens, les pasteurs ont vraiment de difficultés à trouver des salles pour faire les cultes, n'est-ce pas? Lorsque vous n'avez pas acheté votre lieu de culte, sachez-le, un jour, vous allez perdre la salle. Je vois des pasteurs qui ont 500 membres, 200 membres, 300 membres, 50 membres. Deux mois, trois mois, un an, deux ans, on leur retire la salle. Ils se retrouvent... Voilà, sans salle, et les fidèles se dispersent. Vous comprenez? Et puis des fois, les chrétiens, même vous ne vous posez même pas la question de savoir. Et certains, voilà, je ne sais pas, je n'accuse personne, mais ce que vous devez savoir, ça, ce ne sont que les œuvres des cornes ou des autels.
qui ne veulent pas voir ce pays sortir de leurs mains. Vous comprenez? Hein? Allô? 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 Jeunesse, vous êtes là? Hein? Ya, yeah, vous êtes le... vous êtes les instruments que Dieu va utiliser demain pour ce pays, pour ce continent. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Alors, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont là, elles sont là, ces cornes-là, pour empêcher. Par plusieurs moyens. Soit, lorsque la salle est déjà acquise, ce qui peut se passer, c'est qu'il fait tout et tout et tout pour semer des troubles dans l'église. N'oubliez pas, pour faire quoi? C'est pour disperser. Vous faites quoi? C'est pour vous donner de limites. Vous comprenez? Au lieu que nous ayons comme objectif aller dehors, chercher à gagner les âmes, chercher à ramener plus du monde à l'église, on est là entre nous, tu vois, on se tiraille. Vous comprenez? Alléluia! Ce n'est pas l'activité, ce n'est pas les œuvres de quelqu'un d'autre. Ça, simplement, c'est l'ennemi qui fait ça. Vous comprenez? C'est les cornes, c'est le travail des cornes. Ils sont là pour nous fixer des limites. Et donc, mais gloire à Dieu qui dit ceci. Il dit, Dieu a pourvu aussi à quoi? Aux forgerons. Les forgerons, c'est quoi? Symbole de quoi aujourd'hui? Forgerons, c'est symbole de nous, vous et moi, qui sommes dans l'église. D'accord? Vous êtes fâchés? Vous me suivez? Donc comprenez d'abord que la présence de ces entités spirituelles négatives dans une localité, dans une contrée, dans un territoire, empêche vraiment ce territoire ou le peuple ou les gens de ces localités-là de se tourner facilement vers Dieu. Ils essaient de les influencer par tous les moyens. Vous comprenez? Quand vous analysez bien la situation en France, en Europe, vous allez remarquer que c'est ça. Des fois, on se moque des États-Unis, on dit les anglophones, oh, oh, oh. Mais je vous dis la vérité. Bien sûr, il y a aussi des païens aux États-Unis. Mais regardez, l'évangile progresse. Yeah. Yeah. Même les États-Unis d'Amérique arrivent des fois à avoir des présidents chrétiens quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. There's something wrong here. Amen. Et vous avez besoin de reprendre conscience pour que vos enfants et les enfants de vos enfants, ou tout au moins la génération à venir, ne puissent pas rester encore ou expérimenter ce que vous êtes en train d'expérimenter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce temps fort-là, il faut faire quoi? Il faut le laisser? Hein? L'enfant, il faut le laisser? Les cornes-là qui sont là pour disperser, qui sont là pour empêcher de lever la tête, est-ce qu'il faut les laisser? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'il faut les laisser? Hein? Que vous le vouliez ou pas, vous êtes sur le territoire. Si vous ne faites pas attention, si vous ne priez pas, si vous ne boutez pas dehors, si vous ne chassez pas l'enfant, l'enfant continuera toujours à vous influencer. Ils vous donneront des limites. Et ces esprits n'opèrent pas que sur un territoire, même dans les familles. Les familles constituent aussi des lieux, des territoires pour ces cornes-là. Ils sont là. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, tantôt, vous avez comme impression que vous voulez monter et d'un seul coup, pam, tout revient en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes, je le disais le matin, ils ne peuvent jamais, des hommes comme des femmes, ils ne peuvent jamais, jamais rester dans un foyer. Le mari, l'homme a eu 5 enfants avec 5 femmes différentes. La femme avec 10 enfants, avec 10 hommes différents. Yeah. Et puis vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas que tu ne sais pas entretenir une relation durable avec un sexe opposé. Mais il y a quelque chose, peut-être dans votre famille, il y a un problème que vous n'avez pas su résoudre. Il y a de ces hôtels-là, ils sont là. Vous êtes fâchés? Amen. Mais Dieu dit quelque chose.
Donc ici, dans ce passage, deux solutions. Dieu nous donne une solution. Il dit, Dieu a prévu aussi des forgerons. Et le but ou l'objectif, le devoir de ces forgerons, c'est de veiller, c'est de vérifier que ces cornes sont effrayées et que ces cornes sont abattues. Dis abattu. Dis abattu. Tu ne peux pas rester assis et dire abattu. Dis abattu. Tu es encore assis. Voilà pourquoi les cornes te dominent. Lève-toi, je vais voir. Lève-toi. Dis au nom de Jésus. Dieu passera par moi pour abattre, détruire ses cornes, ses autels sont renversés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, c'est extrêmement important. Je veux, ma prière est que les responsables des églises comprennent ceci. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. Nous, notre objectif, c'est que ce pays soit sauvé. Amen. Je sais que Dieu a des âmes dans ce pays, Amen. Dans ce continent européen. Alléluia. Troisième chose que Dieu a dit, dans Amos, vous ne l'avez pas là-bas, cherchez rapidement Vanessa, Madame Charlemagne, pasteur. Amos 3, 14. Vous l'avez? Ok, Amos 3, 14. Regardez. Je voudrais que vous puissiez lire ça en restant debout, si vous voulez. Je vous bouscule, n'est-ce pas? Des fois, rester debout, c'est bon pour la santé. Amen. Yeah. C'est pour ça qu'il demande de courir des fois ou de marcher. Hein? Ne soyez pas habitués à rester tout le temps ensemble, assis. Ce n'est pas bon. Amos 3. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions. Maintenant, ici, on va enlever Israël. On va mettre le jour où je punirai ses cornes. Le jour où je punirai les puissances spirituelles qui bloquent l'œuvre de Dieu dans ces pays occidentaux. Il dit, le jour où je punirai Israël pour ses transgressions. Regardez, ça va vous étonner. Je frapperai sur les autels de Bethel. D'accord? Je vous ai dit, non, vous n'étiez pas là hier, pour ceux qui étaient là hier, tout au moins ce matin, je disais qu'on ne peut pas parler des cornes sans parler des autels. Les cornes se retrouvent toujours localisées sur un autel. Vous comprenez? Et donc là, il dit, et les cornes sont comme les porte-paroles de ces autels-là. Les cornes sont ces puissances-là qui sortent de ces autels-là pour aller opérer. Et donc, il dit, Dieu dit, je frapperai sur les autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Regardez, lorsque les cornes resteront toujours localisées sur les autels, vous n'êtes pas libre. Ils sont toujours en possession de force. Ils sont toujours là pour faire des actions. C'est là que vous devez comprendre. Pour que ces cornes cessent d'opérer et de travailler, c'est-à-dire de disperser et de limiter, il faudrait que les cornes la fassent quoi? Il faudrait qu'elles soient brisées et qu'elles tombent à terre. Savez-vous, un roi qui n'est plus assis sur son trône, ses décrets ne sont plus pris en considération. Amen. Amen. Alléluia. Yeah. Vous comprenez? Vous voulez lire encore? C'est pour ça Esaïe dit, Esaïe parle de ces démons-là en disant, toi, vierge fille de Babylone, assois-toi par terre, assois-toi dans la poussière sans trône, parce que Dieu sait que lorsqu'un roi n'a plus de trône, son décret, son nul et non avenu. Je déclare et décrète que sur le territoire européen, les décrets des démons, les décrets de ces autels seront nuls et non avenus. Parce que les chrétiens se lèvent après cette connaissance. Vous vous leverez et vous allez briser parce que Dieu a promis. Jeunesse, vous me regardez? Voyez-moi, si vous êtes ici, c'est pour un but. Il n'y a jamais un hasard avec Dieu.
Si Dieu vous a mis sur le territoire, si Dieu vous a localisé ici en France, c'est parce que Dieu a un but. Ne vous convertissez pas, ne venez pas tout simplement à l'église pour être à l'église. Oui, je suis aussi à l'église, je suis jeune, et puis je me mets dans des habits bizarres, puis je viens. Voilà, excusez-moi. Voilà. Non, 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 non. Dieu a un plan. Tu as un appel. Amen. Dieu veut se servir de toi pour faire quelque chose Amen. Sur la terre où tu te trouves. Amen. Vous ne voulez pas dire Amen. Céline, pasteur Céline, pasteur Joël, mon homonyme. Yeah. Hey, pasteur Nabier. Yes. Charlemagne. Où sont les autres? Maman, pasteur. Décon. Et vous tous, Dieu nous appelle. Amen. Amen. Dieu nous appelle à quelque chose. Yes. Dieu nous appelle à quelque chose. Regardez, regardez. Si vous ne marquez pas votre temps sur la terre où Dieu vous a amené, vous êtes inutile, excusez-moi. Amen. Démontre ici, sur cette terre, et partout en Europe, que tu es un chrétien. Regardez. Regardez. Et dans ces hôtels, oh, vous êtes toujours debout. Ah, alléluia. Kalabashatakaba. Je sens quelque chose. Dieu guérit quelqu'un à l'instant même. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu libère quelque chose. Quelqu'un à l'instant même de toute influence démoniaque. De toute influence spirituelle négative, dans le nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à aller de l'avant dans ta vie, au nom de Jésus, toi à qui on a donné des limites, tu as tout fait, mais tu as comme impression que tu es resté stagnant, tu ne peux pas aller de l'avant ni de l'arrière. Je te déclare décoller à l'instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, les autels, les cornes là sont sur l'autel. Oh, oh, alléluia. Je veux dire à quelqu'un, les cornes là doivent tomber à terre. Amen. Amen. C'est ce que Dieu, c'est la promesse que Dieu a faite. Amen. À Amos. Il dit, le jour vient. Restez assis si vous êtes fatigué, restez assis. Il dit, les jours vont venir. Le jour où je punirai Israël. Le jour où Dieu, et le jour est arrivé, le temps est arrivé, la punition de Dieu, oui, vient, va venir en Europe, en France, pas sur la population, mais sur la population spirituelle, c'est-à-dire les entités spirituelles qui tiennent ce pays, ce continent captif. La punition de Dieu arrive. La punition, c'est que le corne, oh, je prophétise en ce moment. Je prophétise, j'ai la trompette de Dieu dans ma bouche maintenant. Dans le nom de Jésus, je sens quelque chose sur moi. Ah, rakasatakaba, ataliba satakaba, emando koshapalado, rikapalakasaya, akatalakasatokaba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui empêche le progrès de l'œuvre de Dieu, tout ce qui empêche de se donner à Jésus-Christ soit brisé. Soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, dans ces passages, nous voyons la présence de ces autels-là. D'accord? Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, va parler de ça. Dans Luc, par exemple, dans Luc au chapitre 11, qu'est-ce que Jésus dit? Dans Luc chapitre 11, à partir du 21e verset, en Allah, il dit, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » Ce matin, j'ai donné un verset biblique qui n'était pas à sa place. C'était plutôt Proverbe 18, le verset 10. J'avais dit pour psaume. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en... Oh, lis fort, lis fort. Lis fort. Il se trouve comment? En... En... Donc, le vrai endroit où on trouve la sûreté, la sécurité, c'est en l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Mais la Bible dit dans Luc, que nous venons de lire, donc, ça, c'est un,
C'est une fausse sûreté. C'est une fausse sécurité. Dans Luc, il dit quand un homme fort et bien armé garde ses biens, hein, sa maison, ses biens sont en sûreté. Vous comprenez? Mais écoutez, oui, on y va. Mais, dites mais. Si un plus fort que lui survient et le dompte jusqu'à ce que l'ennemi soit dompté, on n'est pas libre. On peut parler de toutes les théories. Les théologiens peuvent tout dire, mais la Bible reste toujours la Bible. Et les vérités bibliques demeurent toujours les vérités bibliques. Regardez, lorsqu'un homme fort est dans une localité donnée, lorsque vous ne le déposez pas, vous ne le dépossédez pas de cette localité, elle sera toujours là, excusez-moi, il sera toujours là et il va toujours influencer. Il va toujours influencer. Il va toujours influencer. Il va tout... Parce que là où il se trouve, devient sa propriété privée, devient son territoire, devient son domaine, devient sa zone où personne ne peut avoir accès. Vous, si vous voulez avoir accès à cette zone-là, vous allez avoir des problèmes. À moins que vous deveniez un homme plus fort. C'est là où l'Église, c'est là où l'Église doit prendre conscience. Tout le monde, quand je parle de l'Église, des fois, quand nous parlons, les gens croient que c'est le bâtiment. L'Église n'est pas ce bâtiment. L'Église n'est pas ce lieu de rencontre. L'Église, c'est vous et moi. Amen. Et Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions prendre conscience du fait qu'il y a un homme fort sur le territoire où nous sommes et il essaie de nous influencer et que nous devons non seulement nous influencer, mais influencer énormément l'œuvre de Dieu. Et nous devons faire quoi? Nous devons... le chasser, le bouter dehors, le déposséder de ce territoire. Amen. Alors, et donc, lorsque vous ne devenez pas plus fort, vous ne pouvez pas lui enlever toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et vous ne pouvez pas distribuer ses dépouilles. Mais voilà, c'est ce que Dieu demande. Vous me regardez bizarre. Vous comprenez? Vous comprenez? Et donc, dans ce verset, Jésus veut tout simplement nous dire que dans chaque localité, par exemple, ici, en Île-de-France, il y a des localités. Tout comme dans les grandes structures naturelles, il y a de l'ordre, il y a de l'organisation. Vous voyez? Il y a de l'organisation. Dans chaque structure, il y a des organisations. Vous voyez? Dans l'organigramme de l'ennemi. Hein? Il est bien organisé. En région parisienne, en Île-de-France, il y a des esprits qui sont responsables. Des hôtels qui sont bien responsables avec des objectifs précis. Hey, yaya. Dans le gouvernement de Macron, dans le gouvernement de Borne, il y a chaque ministre avec un... Hein? Avec sa fonction, n'est-ce pas? Dans Actes des Apôtres, donne-moi le temps, je termine, juste une minute. Pour vous montrer encore que les esprits là sont là, localisés dans les territoires, dans les pays, dans les villes, jusque pour empêcher l'œuvre de Dieu d'aller dans l'avance. Et nous devons être conscients dans Actes des Apôtres. Vous voyez, quand ils allaient dans le lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vous voyez? Non seulement qu'elle prophétisait, elle faisait la divination, mais en fait, elle était au service de certaines personnes. Et donc, l'hôtel là, dans cette localité, était bel et bien là, et les gens en sont responsables. D'accord? Hein? Ils vérifient que dans cette localité-là, personne d'autre ne puisse venir dans la localité. C'est pour ça que je vais couper court. Paul et Silas, et ils sont allés pour prier, pour libérer les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va les saisir, on va les battre, on va les jeter dans la prison intérieure. Et donc, c'est pour vous dire que lorsque l'homme fort est là, dans sa zone, il ne voudra pas que quelqu'un puisse venir. Et l'image de la France, prenons le cas de M. Poutine. Oui, il me voit peut-être en ligne. M. Poutine, voyez? Vous voyez, regardez, il est en train de faire quelque chose. Mais comme nous pouvons analyser,
analyser spirituellement. Voyez, comprenez, il défend sa localité. Il défend son territoire. Il protège ton territoire. Et les gens meurent d'autre part. Mais ça ne lui dit absolument rien. Il continue toujours pas à le faire. Voyez comment, regardez, Pouti, je ne dis pas que tu es démon. Mais voyez, voyez comment les démons opèrent. Voyez comment les démons opèrent. Voyez comment les esprits opèrent. Ces démons-là sont là. Croyez-vous qu'un homme normal, qui n'est pas sous l'influence d'une puissance spirituelle négative, puisse avoir son prochain en train de mourir et ça ne lui dit rien? Aujourd'hui, soyez munis des missiles spirituels pour défendre la cause de Dieu. Alléluia! C'était juste une image de ce qui se passe dans le monde spirituel, de ce qui se passe lorsque l'ennemi est là et qu'il est en train de défendre son territoire. Voulez-vous que vous pouvez facilement aller dans son territoire et prendre ses propriétés si facilement? Non. Non. Vous comprenez? Non. Il faudrait que vous vous rendez plus vainqueur. C'est en ce moment-là que vous pourrez le dompter. Dit domptage. Il faut le dompter. Je vous laisse avec ça. Prochainement, on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais une chose, et je termine. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, parlez-y là dans la prison, au milieu de la nuit. Voyez ce qu'il faut faire pour détruire les autels. Dans la nuit, ils ont prié. Ils ont commencé à prier. Ils n'ont pas commencé par chanter d'abord. Écoutez-moi. Amen. Renversés par l'ordre des choses. Ils ont commencé à prier avant de chanter. Je termine en disant, l'église en France, peuple français, chrétien, levez-vous. Il y a beaucoup à faire. Amen. Renversons les autels. Amen. Brisons les autels. Amen. Détruisons leurs cornes. Empêchons ces cornes-là de nous disperser, de nous donner des limites. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous tenons à vous remercier pour votre présence ici. Nous remercions le Seigneur qui vous a permis d'être là pour pouvoir l'adorer. Il n'y a pas d'autre meilleur endroit où nous pouvons être à l'aise que dans la présence de Dieu. Vraiment, que son nom soit béni. Notre culte arrive à sa fin. On va simplement prier. Vous recommandez dans la main du Seigneur. Alors, si ça ne vous dérange pas, mettez-vous debout, on va prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait du bien. Comme un chant a dit, un auteur a écrit ce chant pour dire « On est bien dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. » Que ta joie, ta paix reste en nous. Comme tu as dit dans ta parole, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Non comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Alors tes enfants ont participé à ces cultes. Je t'en prie de les accompagner, Seigneur. Bénis pasteur Joël Kossi. Bénis tous les pasteurs qui sont là, Seigneur. Pasteur Jean-Claude Boutinon, comme cela a été dit, qui n'a pas empêché les autres grandir. Bénis chacun, Père éternel. Nous voulons te remercier. Merci pour ta présence. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95-200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque, ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo.
Que Dieu vous garde sous ses ailes.